Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo du site compatibilité-astrologique.fr. Aujourd'hui, on va voir la compatibilité amoureuse entre un homme scorpion et une femme taureau. En théorie, l'homme scorpion et la femme taureau doivent être compatibles. C'est en tout cas ce que les astrologues évoquent via leur placement dans l'astrologie, puisque c'est des signes qui sont opposés et les opposés s'attirent. Ils devraient donc aller très bien ensemble. Mais y a-t-il vraiment des certitudes derrière cette affirmation? Est-ce qu'un homme scorpion et une femme taureau sont compatibles en amour? Certes, il existe un potentiel de véritable amour dans la relation entre un homme scorpion et une femme taureau, mais il y a de nombreux domaines sur lesquels ils devront travailler pour pouvoir y arriver. La seule chose vraiment en commune entre l'homme scorpion et la femme taureau, c'est le besoin d'une carrière réussie. La femme taureau a besoin de stabilité pour assurer une vie confortable à la maison et gère très bien ses finances. L'homme scorpion a également besoin du succès. Il aime avant tout le pouvoir et il a besoin de celui-ci. La femme taureau et l'homme scorpion ont à la fois une forte volonté et des ressources, ce qui les rend tout autant reconnaissants du dynamisme et de l'ambition de leur partenaire. La femme taureau amoureuse n'est pas toujours franche. Or, l'homme scorpion veut un lien affectif avec sa femme et il devra constamment lui rappeler sa fidélité. Il y a beaucoup de choses qui pourraient faire qu'un homme scorpion et une femme taureau soient un couple astrologique formidable. L'homme scorpion est l'une des personnes les plus fidèles une fois sa confiance acquise et il ne déviera pas de son objectif et sera toujours là pour soutenir sa partenaire. Il est également extrêmement passionné par la vie et tout ce qu'il fait. Cela a des effets positifs mais quelquefois aussi négatifs. D'un côté, c'est un amoureux passionné et attentionné qui ne fait pas de compromis en matière de relation, mais d'autre part, cette passion dépasse tous les aspects de la relation. Il peut devenir assez facilement jaloux et méfiant. De plus, la plupart de ses émotions ne peuvent être lues car il est très confidentiel à ce sujet. La femme taureau est extrêmement timide au début. Elle va généralement pas trop loin dans ses émotions et, comme mentionné précédemment, la femme taureau est difficile à s'ouvrir à l'homme scorpion. Avec le temps, elle y arrivera tout de même. Et quand cela se produira, l'homme scorpion se rendra compte qu'il a rencontré un être exceptionnel. Sur le plan intime, la relation entre la femme taureau et l'homme scorpion brille. Mais parfois, l'intensité sexuelle de l'homme scorpion peut faire se sentir dépasser la femme taureau. Elle est plus douce, plus romantique et assez réservée. Mais lui, le scorpion, ne peut résister à la beauté et à la grâce de cette femme taureau et veut la posséder complètement. Il la fait se sentir spéciale avec des démonstrations d'affection physique. Il doit apprendre quand même à y aller en douceur puisque c'est une femme délicate. Ces deux signes trouveront l'harmonie et la paix si, de son côté, l'homme scorpion fait un effort pour être moins jaloux et moins possessif et que la femme taureau s'affirme un petit peu plus et sort de sa coquille. Ils sont tous les deux à la fois têtus mais aussi quelquefois indécis sur le fait de prendre une décision ensemble. Espérons qu'ils soient d'accord, sinon ils sont enclins à se battre et à rentrer dans le conflit. Dans la relation au travail, ce sont tous les deux des êtres carriéristes. La femme taureau a plutôt un profil finance, comptabilité, quelqu'un qui sait gérer tout ce qui a aspect avec l'argent. Et l'homme scorpion, lui, plutôt l'aspect commercial, à la recherche du résultat et qui grimpe très très vite dans l'entreprise. En amitié, ils sont plutôt du genre à rester chez eux. Ils adorent les soirées passées entre amis, à jouer à des jeux de société. Ils ont souvent aussi le même cercle d'amis car ils adorent développer leurs relations. Mais le problème, c'est que quelquefois, ils peuvent paraître un petit peu introvertis. Il faudra donc se dévoiler au fur et à mesure de leur amitié pour pouvoir s'épanouir de plus en plus. C'est quasiment impossible de les amener à parler d'eux. Ces deux signes aiment assimiler l'information et la traiter. Ils peuvent passer plus de temps à parler de philosophie ou de la manière dont se déroule le prochain chapitre de leur livre préféré plutôt que leur propre lutte interne plus profonde. Comme tous les signes du zodiaque opposés, le taureau et le scorpion semblent complètement différents. C'est comme s'ils n'avaient rien en commun. Néanmoins, il faut garder à l'esprit que les signes opposés se complètent parfaitement et que leur communication peut être passionnée, stimulante, agréable si chacun est suffisamment confiant et se livre à l'autre. Bien que le scorpion aime approfondir les choses qui ne semblent pas intéresser le taureau, il pourrait être très surpris de découvrir que derrière la nature tendre du taureau, il existe une compréhension profonde de tout ce qui se passe dans la nature, quelle que soit sa noirceur. L'homme scorpion et la femme taureau sont donc bien compatibles, mais ils devront faire des efforts chacun de leur côté pour pouvoir que leur relation dure. Ils sont vraiment deux opposés qui s'attirent.
pour y arriver, au lieu de confronter leurs différences, ils devront bien les assembler afin de compléter l'autre et d'avancer ensemble. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Moi, je vous donne rendez-vous sur compatibilité-astrologique.fr pour d'autres significations des compatibilités amoureuses entre signes du zodiaque et les astuces de drague sur chaque signe de l'astrologie. Pour nous soutenir, commentez, likez et abonnez-vous à la chaîne. Moi, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Je vous dis à très bientôt.